Nous avons connu ce matin les attaques cybernétiques contre l'Ukraine. Il faut dire que ça nous mérite la plus grande condamnation. Nous avons appelé ce matin une réunion d'urgence des ambassadeurs COPS, ambassadeurs du comité politique, pour voir de quelle manière on peut réagir et on peut fournir de l'assistance technique à l'Ukraine pour augmenter sa capacité de résistance vis-à-vis de ces sortes d'attaques. Nous avons les États membres de Rapid Response Cyber Unit, c'est-à-dire de capacité d'agir en réponse rapide à ces sortes d'attaques. On va les mobiliser aussi. Et nous avons un projet PESCO qui justement traite de la façon dont on peut faire la défense contre les attaques cybernétiques. Je vais demander aux États membres que, même si l'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne et ne participe pas dans ce projet, on pourrait mobiliser dans son aide les ressources que nous avons pour faire face à ce genre d'attaques. Ça, c'est pas facile à dire, mais on est en train de chercher. Évidemment, tu ne peux pas pointer à quiconque parce que je n'ai pas de preuves, mais on peut imaginer. I must say we are totally in solidarity with the Ukraine government on what has happened this morning with the attack, the cyber attack, and we still don't know who is behind it because nobody has claimed responsibility for this attack. La perche.